Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vk.fr pour cette nouvelle webconférence, sixième webconférence aujourd'hui du printemps de la recherche en éducation, cycle de 11 conférences en ligne initiées et organisées par le réseau des INSPE qui a débuté le 29 mars dernier. Ce cycle se déroule du 29 mars au 1er juin 2021. Il sera ponctué au final par une table ronde virtuelle le 31 mai. Alors, l'objectif de ce printemps de la recherche est de promouvoir, de mettre en évidence les apports des recherches en éducation et leur lien avec la formation des enseignants et personnels d'éducation. La thématique de cette septième édition du printemps de la recherche est développer l'esprit critique des élèves, enjeu pour la formation des enseignants et personnels d'éducation. Alors, en vous inscrivant à cette webconférence, ou si vous étiez déjà inscrit à la première et aux suivantes, vous êtes automatiquement inscrit pour le cycle dans son ensemble. Vous pouvez retrouver toutes les dates de vos rendez-vous jusqu'au 31 mai prochain sur le site du réseau des INSPE, ainsi que sur la page dédiée sur vk.fr. Je vous rappelle également qu'au cours de cette webconférence et de toutes les autres d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions en direct aux intervenants, alors via la fenêtre chatter, le petit onglet chatter qui se situe à droite de votre écran dans la petite interface de notre logiciel de diffusion. Alors profitez pleinement de cet espace d'interaction et d'échange en direct avec nos intervenants. Ce sixième rendez-vous du printemps de la recherche en éducation est consacré aux perspectives historiques et actuelles sur la formation à l'esprit critique. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre Kahn. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Caen et membre du Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation. Bonjour Monsieur Kahn. Bonjour. Et Madame Catherine Faure, vous êtes professeure d'histoire, vous êtes formatrice à l'INSPE de Limoges. Alors, vous serez la modératrice de cette conférence, et c'est donc vous qui serez l'interface avec le public et qui recevrez les questions en direct. Bonjour Madame Faure. Bien, bonjour à tous. Merci au réseau des INSPE d'avoir choisi Vega comme partenaire. Je vous souhaite une très bonne conférence. Madame Faure, je vous laisse la main dès à présent et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai l'honneur de faire la modération de cette conférence. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Pierre Kahn, professeur émérite en sciences de l'éducation donc à l'Université de Caen, dont les travaux portent sur les enjeux épistémologiques, sociaux, culturels et pédagogiques de l'histoire de l'enseignement et de l'école. Voilà, je vous retrouve donc après cette conférence intitulée « Perspectives historiques et actuelles sur la formation de l'esprit critique ». Eh bien, merci de cette introduction. Merci de m'avoir demandé de faire cette conférence perspective historique alors, et actuelle est entre parenthèses sur la formation à l'esprit critique. Comme c'est entre parenthèses, je me suis permis de penser que c'était un tout petit peu facultatif, mais j'y reviendrai quand même à la fin parce que je pense qu'il faut quand même parler de l'actualité. Mais l'essentiel de mon regard ou de mon investigation va être quand même d'ordre historique. Et donc la question évidemment que je me suis posée à partir d'un thème comme celui-là, c'est quel rapport historique l'école en France a-t-elle eu avec l'enseignement de l'esprit critique ? Et ce que je voudrais, peut-être en guise d'introduction, dire, ou je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'avant de répondre à cette question, je crois qu'il convient de s'arrêter sur son caractère problématique. Alors pourquoi caractère problématique ? Parce que c'est une question qui présuppose que la formation à l'esprit critique a une histoire et donc un passé. Or, je ne crois pas que cela soit évident. Cela n'a rien, me semble-t-il, d'une évidence. En effet, l'idée même d'une formation à l'esprit critique, sous cette formulation, avec cette expression, en tout cas esprit critique, formation esprit critique, c'est une idée qui peut paraître tout à fait contemporaine. Et on peut penser que c'est finalement, sinon uniquement, au moins spécifiquement pour notre type de société,
une société hyper démocratique qui ne repose plus sur l'autorité d'une tradition et pour laquelle le modèle même d'une transmission des savoirs et des valeurs ne va plus de soi, que c'est pour cette société spécifiquement que l'esprit critique est considéré comme une qualité indispensable, voire comme une vertu cardinale, et donc une finalité éducative de première importance. Mais dès lors, la question de l'histoire de la formation à l'esprit critique peut bien ressembler à une question impossible. C'est-à-dire, c'est la question des formes passées d'un type d'enseignement dont il est précisément problématique de penser qu'il a eu un passé. En d'autres termes, si former à l'esprit critique, c'est une injonction qui n'a de sens qu'actuellement, se proposer d'avoir sur cette formation des perspectives historiques, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de s'exposer à identifier sous cet intitulé des formes d'éducation et d'enseignement qui n'ont de fait pas grand-chose à voir avec lui, en tout cas avec ce que nous entendons, nous, par esprit critique? N'est-ce pas en somme s'exposer au risque de ce qui est pour l'historien un péché capital et même peut-être le péché le plus capital de tous les péchés capitaux que peut commettre un historien, à savoir le péché d'anachronisme? Alors, cette mise en garde préalable est en fait, malgré tout, je vais essayer dans un premier temps, dans un premier moment, d'essayer de trouver, de rattacher cette formation de l'esprit critique à une tradition historique identifiée de l'école en France, qui est la tradition républicaine. D'où le titre de ce premier moment, j'appelle ça moment, l'esprit critique, une tradition de l'école républicaine. Je pose la question, j'essaie de justifier en quoi on peut penser cela, et dans un deuxième temps, vous verrez que j'essaierai de montrer au contraire combien c'est problématique malgré tout de penser une chose pareille. Cela dit, on peut penser que cette formation à l'esprit critique se rattache à une tradition particulière, la tradition de l'école républicaine, à partir d'un certain nombre de déclarations des pères ou des grands-pères spirituels fondateurs de cette école, au premier chef, Condorcet, dès 1792. Hein, vous avez ici le texte, un texte très connu de Condorcet, enfin l'extrait d'un texte très connu de Condorcet, ni la Constitution française, ni même la Déclaration des droits ne seront présentés à aucune classe de citoyens comme des tables descendues du ciel qu'il faut adorer et croire, ce qui veut dire, en clair, si on fait un petit commentaire, exclure les croyances de l'enseignement, ce n'est pas seulement exclure les contenus religieux traditionnels qui sont les objets de la croyance, c'est plus radicalement exclure la croyance elle-même comme modalité du rapport au savoir. Enseigner la Constitution ou les droits de l'homme comme des tables descendues du ciel, comme le dit Condorcet, c'est l'enseigner comme un dogme. C'est conserver la forme du religieux. Et ce que Condorcet demande, c'est de ne pas enseigner même les principes républicains les plus fondamentaux comme un catéchisme. J'allais dire même les principes républicains les plus sacrés, mais justement, Condorcet mettra en cause la pertinence de cet adjectif. Il ne faut pas les enseigner comme un catéchisme, il ne faut pas les enseigner comme des objets de croyance, mais comme des objets de raison. Et des objets de raison, ça suppose une appropriation rationnelle, évidemment, de la part de ceux à qui on les enseigne. Une appropriation rationnelle, c'est-à-dire des principes dont tout citoyen serait capable de comprendre, d'expliciter le bien fondé, mais aussi des principes que l'on peut discuter, dont on peut débattre, ne serait-ce qu'en vue de les améliorer. Autrement dit encore, une appropriation rationnelle est une appropriation critique. Et ce qui est vrai des principes républicains est vrai pour Condorcet, pour tous les contenus d'enseignement. Condorcet écrit dans son premier mémoire sur l'instruction publique qu'en aucun cas, un enseignant ne peut dire à ses élèves, je cite Condorcet, « voilà ce que je vous ordonne de croire et que je ne puis vous prouver ». Donc, la préoccupation d'une éducation scolaire qui développe la capacité critique des futurs citoyens est donc bien présente, d'une certaine façon, dès les origines fondatrices, révolutionnaires, au moment de la Révolution, de l'école de la République. Condorcet présente son rapport à la législative en avril 1792. Et la République, la première du nom, la première République, ne verra le jour qu'en août de la même année. Mais clairement, c'est bien un idéal républicain d'instruction qu'il se réfère. Hein. Idéal selon lequel former les futurs membres de la volonté générale, ce n'est pas former de nouveaux croyants d'une nouvelle religion,
religion civile, mais former des citoyens éclairés, capables de penser par eux-mêmes et d'intervenir de façon raisonnée et instruite dans le débat public. De certaine façon, c'était aussi déjà l'idéal des Lumières. Il n'est donc pas étonnant de voir, au fond, le même idéal formulé 100 ans après Condorcet, et en continuité apparente avec lui, manifeste même avec lui, de voir ce même idéal formulé par les fondateurs historiques de l'école républicaine à la fin du XIXe siècle. Alors, par exemple Paul Bert, scientifique de renom, bien sûr, vous connaissez, hein, mais qui fut aussi, je le rappelle, ministre de l'instruction publique au début des années 1880, entre deux ministères Jules Ferry, et qui fut auteur de très nombreux manuels de sciences pour l'enseignement élémentaire et de très nombreux manuels d'instruction civique et morale pour l'école élémentaire. Et il écrivit donc ce que vous pouvez lire là, j'espère, sur le PowerPoint, qui est très clairement dans l'esprit de Condorcet, un enseignement par voie de catéchisme est bon pour former des croyants à la mémoire desquels on impose, dans l'esprit desquels on inculque de force comme un cachet de cire, un certain nombre de dogmes qu'ils devront apprendre à réciter sans souci de comprendre. Mais c'est la plus mauvaise des préparations pour un citoyen intelligent et libre. C'est au contraire la curiosité de l'esprit qu'il faut éveiller et susciter. Il faut développer dans l'enfant la personnalité pensante. Le mot ou l'expression « esprit critique » n'est pas dans ce texte, mais vous voyez bien quand même qu'il fait assez clairement signe dans cette direction. Alors, peut-être un autre exemple plus illustratif encore, si c'est possible, de cette idée développée par Condorcet, développée par Paul Bert, on la trouve dans un discours de Ferdinand Buisson, discours prononcé en 1903 au congrès du Parti radical. Buisson dit, mais toujours dans la même veine, hein. Le premier devoir d'une république est de faire des républicains, c'est un discours très connu, hein. Et l'on ne fait pas un républicain comme on fait un catholique. Pour faire un catholique, il suffit de lui imposer la vérité toute faite, le maître a parlé, le fidèle répète, il a été dit un catholique, mais on pourrait tout aussi bien dire un protestant ou un croyant quelconque. Toute éducation cléricale aboutit à ce comportement, croire et obéir, foi aveugle et obéissance passive. Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit, hein, je vous laisse lire, hein, et lui donner l'idée qu'il peut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit, temporel ou spirituel. Il n'y a pas d'éducation libérale là où on ne met pas l'intelligence en face d'affirmations diverses, d'opinions contraires, en présence du pour et du contre, en lui disant « compare et choisis toi-même ». Là aussi, l'expression l'esprit critique n'existe pas. Enfin, on pourrait très bien traduire, il n'y a pas d'éducation libérale là où il n'y a pas de formation à l'esprit critique. Ça serait assez fidèle, au moins, au sens général du texte. Donc, on le voit, vous le voyez, il semble bien que l'école républicaine, précisément parce qu'elle se veut républicaine et parce que, comme le dit Buisson, on ne forme pas un républicain comme on fait un catholique, il semble bien qu'elle l'ait mis dès la première formulation de ses principes chez Condorcet, dès ses premières réalisations historiques au moment de la Troisième République, qu'elle ait mis la formation d'esprit critique au programme de ses finalités éducatives. De sorte que se soucier, comme on le fait aujourd'hui, d'une telle formation, même si c'est avec des modalités peut-être, voire sans doute différentes, ben ce serait bien quand même s'inscrire dans cette tradition historique de l'école de la République. Mais je parle au conditionnel, ce serait s'inscrire dans cette tradition. Je ne dis pas c'est s'inscrire dans cette tradition. Pourquoi ? Mais parce que je vais essayer de montrer maintenant, ça va être le deuxième moment, que les formulations de ces principes correspondent chez Condorcet, qui, en fait, l'école n'était pas encore construite, mais chez Buisson ou chez Paul Bert, où là elle était vraiment en train de se construire, l'école républicaine, correspond peut-être plus à un rêve qu'à une réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, c'est pour ça que j'ai appelé ce moment 2 entre école rêvée et école réelle. On peut en effet se poser la question de savoir si ces déclarations de Buisson, de Condorcet, de Paul Bert, qui sont évidemment convaincus, hein, sincères, ça, il ne s'agit pas du tout de mettre ça en cause, si elles reflètent la réalité de l'école existante. Si ce n'est pas davantage, au fond, la conscience idéalisée de cette école, que cette école avait d'elle-même, plutôt que l'image fidèle de la façon dont elle fonctionnait réellement. Si ce n'est pas
certaine façon, son moi idéal plutôt que son moi réel, hein, sa poésie plutôt que sa prose, en quelque sorte. Et donc, on peut se demander si la formation du citoyen rationnel et critique, hein, qui substitue l'examen à la croyance, si ce n'est pas finalement qu'une finalité rêvée de l'éducation scolaire. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont de nature à nous conduire vers cette hypothèse, hein. Un premier élément, c'est un élément institutionnel que vous connaissez tous, c'est le dualisme scolaire qui existait à l'époque. J'ai simplement repris ici un extrait des instructions officielles de 1882 pour l'enseignement primaire. Vous lisez, c'est très clair, c'est dit absolument sans phare, hein. L'école primaire, c'est l'école du peuple, c'est l'école qui s'arrête pour la plupart des enfants à 13 ans, voire à 12 en cas d'obtention à cet âge-là du certificat d'études. Le secondaire, lui, est complètement séparé et il est fréquenté presque exclusivement par les enfants de la bourgeoisie, c'est-à-dire à peine, grosso modo, 4 à 5% d'une classe d'âge. Donc la finalité de l'école primaire n'est pas une préparation, une formation intellectuelle approfondie, mais le développement d'une culture pratique et l'acquisition de savoir dont les programmes à l'époque disaient, c'est leur expression qui arrive souvent, qu'on trouve souvent, qui était fait en vue des usages de la vie, hein. Et d'où ces instructions officielles, où là, les choses sont dites clairement, hein, qui limitent très très clairement les ambitions de l'école primaire, et j'attire l'attention sur l'adjectif, l'émir du petit trésor d'idées dont ils auront strictement besoin, j'attire aussi l'attention sur l'adverbe, hein, on voit bien ici que l'étroitesse de ces ambitions éducatives du primaire sont parfaitement, parfaitement assumées. Simplement, j'en conclus, ou je pense, on peut penser que cela laisse évidemment peu de temps ni de place pour la formation d'esprit critique, laquelle relève manifestement d'un paradigme éducatif fort, fort différent. La distorsion, vous voyez, entre le rêve éducatif de Ferdinand Buisson, on forme pas un catholique comme on forme, pas un républicain comme on forme un catholique, et puis, d'autre part, les attentes réelles de l'administration scolaire, qui sont beaucoup, beaucoup plus modestes, même beaucoup, très, très en deçà de cette formulation, mais cette distorsion, elle est d'autant plus frappante que l'auteur de ces instructions officielles en 1882 n'était autre que le puissant directeur de l'enseignement primaire à l'époque, à savoir Ferdinand Buisson lui-même, hein. Donc c'est d'une certaine façon peut-être une distorsion entre Ferdinand Buisson et Ferdinand Buisson. Je pense que c'est un élément assez constant de l'école à cette époque-là, de voir cette espèce de dualité, de duplicité, duplicité une connotation morale, disons de dualité entre la formulation de principes, à la fois auquel je pense les promoteurs de l'école républicaine croient sincèrement, et une réalité qu'ils font fonctionner et dont ils assument absolument les finalités. Alors, le deuxième élément de nature à faire douter d'une véritable préoccupation de l'école républicaine pour la formation à l'esprit critique, ce deuxième élément, il est plutôt de nature sociologique. C'est-à-dire que dans les grandes villes, comme Paris, notamment dans les quartiers populaires de ces grandes villes, à Paris, c'était tout l'Est parisien, quartiers auquel l'exode rural massif lié à l'industrialisation du pays avait donné une extension démographique considérable. Dans ces quartiers, dans ces écoles de ces quartiers, il pouvait y avoir, dans les petites divisions scolaires, au cours élémentaire, à l'époque, cours élémentaire, c'était 2 ans, cours élémentaire première année, cours élémentaire deuxième année, c'était le début de l'école élémentaire, il pouvait y avoir jusqu'à 80, voire 100 élèves par classe. Et dans ces conditions, on comprend bien que ce qui comptait pour les enseignants, des enseignants qui étaient de plus peu formés, hein, la plupart ne passaient pas ou n'étaient pas passés par l'école normale, mais ce qui comptait donc le plus pour ces enseignants, mais aussi pour leurs inspecteurs d'ailleurs, c'était essentiellement
des questions d'ordre, des questions de discipline et aussi des questions d'hygiène. Hein. Et si on lit, par exemple, les rapports d'inspection dans les années 1880 des écoles de l'Est parisien, on s'aperçoit que ces thèmes forment la matière principale, pour ne pas dire exclusive, des rapports d'inspection. De plus, l'école primaire de l'époque avait un fonctionnement méritocratique, c'est-à-dire que ne passer dans les divisions supérieures, c'est-à-dire au cours moyen, qui lui-même avait 2 ans, puis après au cours supérieur, qui lui-même avait 2 ans, que les meilleurs élèves des cours élémentaires. Les autres, ils redoublaient. Et donc, ils encombraient les premières classes. Et beaucoup d'entre eux, par conséquent, atteignaient l'âge limite de la scolarité obligatoire, 13 ans, en n'ayant pas dépassé finalement le niveau d'un cours moyen, voire le niveau d'une première année de cours moyen. Alors, je ne sais pas si ces élèves-là étaient formés comme des républicains et non comme des catholiques, mais je doute très fortement que ce type de fonctionnement, les contraintes pédagogiques qu'il entraînait, étaient de nature à développer leur capacité réflexive et critique. Alors, quant au troisième et quatrième élément de nous faire douter que la formation de l'esprit critique renvoie à une tradition historique réelle de l'école républicaine, sont quant à eux, à mes yeux, d'ordre culturel. Ils tiennent à ce que fut la culture scolaire de l'école de la Troisième République. Donc le troisième dans l'ordre d'énumération, le premier de ces facteurs culturels, c'est ce que j'appelle le moralisme de l'école de la Troisième République. Moralisme extrêmement fort qui a marqué cette école. En rompant avec la morale religieuse enseignée avant que la loi de 1882 ne laïcise les enseignements, eh bien, l'école républicaine n'a pas aussi nettement rompu avec la forme de cette morale que ne l'affirmait Ferdinand Buisson dans son discours de 1903 au congrès du Parti radical. Au moralisme religieux, en fait, s'est substitué un moralisme laïque, certes, mais qui a de fait assez largement conservé le caractère dogmatique propre au premier. C'est-à-dire, sans même parler des manuels de morale et d'instruction civique qui fleurissent à l'époque et qui attestent tout ça. Il existe aussi toute une iconographie de l'école, hein, des photos de classe aux alentours de 1900, hein, qui montre à quel point ce moralisme affecte la forme scolaire et lui fait conserver un caractère traditionnel marqué et finalement dont on peut penser qu'il est assez peu différent de l'école d'avant la République. Alors, j'ai pris pour illustrer une photo qui est très connue, hein, qu'on trouve beaucoup, mais qui me semble assez illustrative de cela. Il y a un jeune collègue, je ne sais plus qui travaille spécifiquement sur cette photo, hein, qui s'est demandé qui était l'instituteur, où est-ce que ça se passait, etc. etc. Et qui fait, c'est très très intéressant son travail apparemment. Mais enfin, c'est pas pour ça que je montre cette photo. Je montrais que si vous voyez l'esprit critique là-dedans, bah vous êtes plus fort que moi. Moi, j'en vois pas la posture des élèves, la posture du maître, les maximes écrites au tableau noir qu'il fallait probablement réciter par cœur, hein, les élèves en rang, les bras croisés, etc. Bon, on n'est pas du tout dans le paradigme d'une éducation à l'esprit critique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Buisson lui-même, alors en 1908, c'est-à-dire 5 ans après le discours où il disait « on ne forme pas un républicain comme on forme un catholique ». Dans un article intitulé « L'enseignement moral à l'école primaire », à l'encontre de ce qu'il déclarait dans le discours au congrès du Parti radical, ben justifie en la matière la forme de catéchisme encore donnée à cet enseignement. Alors, c'est un discours assez long, mais je vous demande de prendre le temps de le lire, parce que vous savez, quand même, il est assez remarquable. Hein. À l'époque, nous avons laïcisé l'école primaire, je passe, vous lisez. Pensez ce que vous voulez des croyances confessionnelles, vous ne nierez pas que le catéchisme est une invention de génie. Paul Bert, voir la citation que j'ai faite tout à l'heure, il disait exactement le contraire. Hein. C'était la plus mauvaise méthode. Hein. C'est une invention de génie. En France, comme dans toute la catholicité, le véhicule unique universel de l'enseignement religieux et moral a toujours été le catéchisme. C'est pourquoi, dès 1789, l'idée vint au constituant, au conventionnel, de rédiger un catéchisme civique. C'est vrai, historiquement, mais c'est exactement le contraire de ce que voudrait Condorcet.
Sous l'influence des mêmes circonstances, la Troisième République a repris la même idée. Comme elle prétendait que la morale devait et pouvait s'apprendre en dehors de la religion, elle s'obligeait en quelque sorte à fournir le plan et la substance, ce nouvel enseignement, dans une forme aussi populaire, mais en même temps aussi précise que le catéchisme. De là, cet effort pour dresser dans les programmes de l'école primaire une sorte de table des matières obligatoires du cours de morale. Ce cours contient l'ensemble des idées morales que la société des idées morales, j'ai fait une faute d'orthographe, je viens de me rendre compte, je vous demande de bien me pardonner, que la société se charge de graver dans l'esprit des enfants aussi fortement que l'Église y gravait des idées religieuses. Aussi fortement que l'Église y gravait des idées religieuses. Nous n'avons pas voulu que les enfants, n'apprenant plus les commandements de Dieu et de l'Église, n'eussent à se mettre dans la mémoire aucun texte, aucune sentence bien frappée, aucune réponse toute prête aux questions qu'on peut leur faire sur le bien, sur le mal, sur le devoir, sur la conscience, sur leurs règles de conduite, sur leurs croyances morales, enfin. Alors, voyez, hein, c'est se charger de graver des idées morales dans l'esprit aussi fortement que l'Église y gravait des idées religieuses. Proposer des sentences bien frappées à mémoriser, des réponses toutes faites, proposer des réponses toutes faites sur les questions du bien, du mal, du devoir, etc. Enfin, Buisson avait beau déclarer en 1903 qu'on ne forme pas un républicain comme on fait un catholique, il semble bien dire, 5 ans plus tard, à peu près exactement le contraire. Hein? Si la morale laïque remplace la morale religieuse, c'est en prenant la même forme, c'est-à-dire la forme dogmatique et de l'esprit critique, bien évidemment, ici, il n'en est plus guère question. Vous voyez bien la dualité qui existe à l'intérieur d'un personnage comme Buisson, mais qui était à mon avis un trait caractéristique de l'école de la Troisième République. Le quatrième obstacle au souci de développement de l'esprit critique pour l'école républicaine historique, celle de Ferry, celle de Buisson, Paul Bert, etc., c'est ce que j'appellerais son objectivisme. Son objectif, c'est-à-dire la façon qu'elle a eue de penser l'apprentissage scolaire comme la relation établie par des sujets, les élèves, à des objets qui leur sont extérieurs et qui correspondent à des vérités indiscutables. Alors, du point de vue des normes pédagogiques, qu'elle a mises en avant, l'école républicaine de la Troisième République a été certes une école qui a largement insisté et avec des accents souvent très, très modernes, si je puis dire, sur l'activité des élèves. Hein. Il ne s'agit pas de mémoriser, de réciter sans faire comprendre, il faut se garder de tout enseignement qu'on appelait à l'époque mécanique ou scolastique, il faut développer le jugement personnel des élèves, il faut que la classe soit un lieu vivant, animé, où les élèves ne doivent pas être immobiles, etc. Tout ça, ça existe, ça fait même l'essentiel du discours normatif pédagogique de l'école. Reste que cette activité à leur exiger des élèves n'est jamais au fond que celle qui leur permettra de comprendre la vérité objective de ce qu'on leur enseigne, quels que soient les contenus de savoir transmis. Vérité objective est donc comme telle vérité indiscutable. C'est par exemple de cette façon-là que s'exprime Jules Ferry dans sa fameuse lettre circulaire aussi, qui est très connue, dite lettre aux instituteurs, lettre de 1883 sur l'enseignement laïque de la morale. Cet enseignement, écrit-il, peut être donné indépendamment des convictions personnelles des familles, car il concerne des vérités morales et universelles avec lesquelles tout le monde, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, quelle que soit sa religion ou sa non-religion, peut être d'accord, et qui peuvent donc être enseignés, c'est Ferry qui le dit dans le texte, avec autant de certitude que s'il s'agissait de vérités de langue ou de calcul. Et donc, vérités, par conséquent, qui ne peuvent dès lors être l'objet de discussions, de confrontations d'idées ou d'opinions. Et c'est encore Buisson qui, dans le même article que je viens de citer précédemment, exprime de la façon la plus claire cette idée. D'après cette conception du rôle de l'instituteur comme éducation morale, celui-ci n'énonce jamais devant l'enfant que des axiomes de la conscience universelle. Il ne lui parle de rien de ce qui est controversé entre les hommes. Il n'a le droit de lui enseigner que ce qui est réputé vrai et juste par tous, sans exception. Je voudrais juste dire que la situation, j'insiste beaucoup sur la question enseignement moral, parce que il me semble que la situation d'enseignement moral est ici
un véritable révélateur des problèmes posés à un éventuel projet de formation à l'esprit critique. Car si cette conception objectiviste du savoir, qui est celle de l'école de Jules Ferry, s'observe pour tous les enseignements, pas seulement pour l'enseignement de la morale, et s'il n'est pour aucun d'entre eux favorable au développement de l'esprit critique, l'examen de la façon dont cette conception a affecté en particulier l'enseignement moral a une véritable valeur exemplaire. En effet, l'enseignement moral, c'est précisément un enseignement qui offre à l'esprit critique, pour peu qu'on se soucie de sa formation, des occasions particulièrement propices pour s'exercer, particulièrement favorables, puisqu'il permet de confronter de la manière la plus argumentée possible des valeurs, des opinions, des croyances morales diverses. De sorte que, comme l'ont affirmé Ferry ou Buisson, penser qu'un tel enseignement porte sur des vérités objectives et indiscutables, c'est rendre impossible, donc extraordinairement difficile, la confrontation argumentée et donc critique, là où il aurait été précisément le plus facile de la promouvoir. Au total, et en guise de résumé de tout ce que je viens de dire, quelles leçons tirer de cette rapide enquête hein, au pays de l'école républicaine de la Troisième République? Première leçon, la formation d'un citoyen éclairé et critique a bien été un projet qui peut se comprendre en fonction d'un idéal éducatif de nature républicaine, voire les déclarations que j'ai citées de Condorcet, de Buisson, de Popper, etc. Pour autant, deuxième leçon, cet idéal fut sans traduction réelle. Et troisième leçon, pour qu'il trouve une chance d'être mis en œuvre, il faut trois conditions auxquelles précisément ne satisfait pas l'école républicaine originelle. Trois conditions. Première condition, un allongement pour tous de la scolarité de telle sorte qu'elle puisse se donner les moyens d'une éducation intellectuelle approfondie de longue haleine. Deuxièmement, une remise en cause, sinon un abandon total, des formes dogmatiques et objectivistes d'enseignement. Et troisièmement, la reconnaissance de l'existence irréductible et même légitime d'un pluralisme moral. Ça, c'est un point essentiel qu'un philosophe comme Paul Ricoeur a parfaitement exprimé dans un texte que je ne résiste pas au plaisir de vous citer, un texte que j'aime beaucoup, que je cite à peu près toutes les conférences que je fais ou dans tous les articles que j'écris. Je pense que si j'écrivais un jour un article sur la culture des bananes au Costa Rica, je m'arrangerais pour le citer, et qui décrit parfaitement les conditions intellectuelles ou philosophiques dans lesquelles l'enseignement de l'esprit critique est pensable. Nous ne vivons pas dans un consensus global de valeurs qui serait comme des étoiles fixes. C'est là un aspect de la modernité et un point de non-retour. Nous évoluons dans une société pluraliste, religieusement, politiquement, moralement, philosophiquement, où chacun n'a que la force de sa parole. Notre monde n'est plus enchanté, la chrétienté comme phénomène de masse est morte, ce qui est plutôt positif, et nos convictions ne peuvent plus s'appuyer sur un bras séculier pour s'imposer. Préparer les gens à entrer dans cet univers problématique m'apparaît être la tâche de l'éducateur moderne. Celui-ci n'a pas à transmettre des contenus autoritaires, mais doit aider les individus à s'orienter dans des situations conflictuelles. C'est bien, d'une certaine façon, oui, effectivement, décrire le cadre philosophique à l'intérieur duquel la formation à l'esprit critique peut se poser, peut trouver sa légitimité. Mais précisément, ce n'était pas le cadre de l'école républicaine des origines. Oh, ces trois conditions que je viens de citer sont nécessaires, aucune sans doute n'est suffisante, mais elles sont nécessaires. Et tant qu'elles ne seront pas remplies, tant qu'elles ne sont pas remplies, et elles ne l'étaient pas pour l'école, disons, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la formation de l'esprit critique ne risque pas d'être pour cette école une finalité éducative inscrite à son curriculum. Alors, juste rapidement, il faudra introduire quelques nuances. Il existait quand même au tout début du XXe siècle, par exemple, des associations ou des organisations révolutionnaires, des instituteurs révolutionnaires affiliés à des syndicats, des associations qui proposaient effectivement explicitement ou qui voulaient proposer des enseignements critiques vis-à-vis de ce qu'ils considéraient comme être les enseignements de l'école bourgeoise. Il existait
existait aussi des mouvements pédagogiques comme celui de Freinet qui insistaient beaucoup sur la nécessité de former l'esprit critique. Mais il me semble que ces mouvements restent à l'époque relativement marginaux, en tout cas non véritablement représentatifs de l'état général de l'enseignement en France à cette époque. Et le constat que j'ai dressé me semble quand même plutôt globalement vrai. Alors, quand est-ce que les choses ont changé? C'est le moment 3, et le titre même vous indique la réponse que je donne à cette question, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, les choses commencent à changer, pas avant la libération, et peut-être même, j'essaierai de le montrer, pas avant les années 1960. Alors, à la libération, s'impose la nécessité d'une réforme en profondeur de l'école en France. Nécessité née, entre autres, du constat de la faillite morale, et notamment de la faillite morale des élites, qui a représenté la période de Vichy et de la collaboration. Et ce fut la commission Langevin-Vallon, du nom de ses deux présidents successifs, Paul Langevin et Henri Vallon, qu'il incomba de travailler sur cette réforme dont le projet définitif, le plan Langevin-Vallon, fut remis au ministre de l'Éducation nationale fin 1947. Alors, à vrai dire, dans le plan Langevin-Vallon, la question de la formation à l'esprit critique n'est pas explicitement ni thématiquement posée, mais des éléments existent qui sont de nature à favoriser son émergence. Il y a d'une part le contexte, à savoir le souvenir cuisant de l'aveuglement collectif qui a été la collaboration. Et puis il y a aussi, d'autre part, l'influence dans le plan Langevin-Vallon des idées de l'éducation nouvelle, très très forte influence, l'éducation nouvelle qui promouvait, donc le plan Langevin-Vallon aussi, les méthodes actives et une plus grande initiative, une plus grande responsabilité donnée aux élèves, à la fois à l'école et hors l'école, dans les colonies de vacances, dans les colonies d'enfants ou d'adolescents, dans lesquelles, dit le plan, je cite, la discipline doit être extrêmement libérale et où de véritables expériences de république démocratique doivent être organisées. Et le texte, ça, c'est ce que un extrait du plan que j'ai mis là sur ma diapo, ajoute, pour ce qui est de l'école proprement dite, au troisième cycle, et surtout dans la classe terminale, un programme portant sur les grands problèmes de la vie civique et morale servira de base à des exposés et des discussions. Alors juste un petit commentaire, au troisième cycle, c'est-à-dire pour le plan Langevin-Vallon, le cycle dit de détermination de 16 à 18 ans, parce que dans le plan, il n'y a plus de dualisme scolaire, et tous les enfants vont obligatoirement à l'école jusqu'à 18 ans. Et puis deuxième commentaire, il s'agit d'un programme qui porte sur les grands problèmes de la vie civique et morale qui servent de base à des exposés et des discussions. C'est plus question de vérité consensuelle, on demande aux élèves de comprendre, de bien fonder. On est bien en train de sortir du paradigme de l'école de Ferdinand Buisson et de Jules Ferry. Cela dit, c'est peut-être pas avant les années 60 que ça se traduit en texte officiel. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, le premier texte officiel orienté quasi explicitement vers l'idée d'un développement de l'esprit critique, c'est l'arrêté du 4 juillet 1961, c'est-à-dire 14 ans après le plan Langevin-Vallon, qui fixe les nouveaux programmes d'éducation civique pour le premier cycle des lycées, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui au collège actuel 6e, 3e. Et là, vous avez le texte. Je vous laisse le lire, je ne vais pas lire parce que je ne voudrais pas trop manger de mon temps, mais vous voyez bien quand même que s'accoutumeront à la quête et à l'étude des documents et des arguments, elle clarifiera les problèmes politiques, économiques et sociaux, là aussi c'est plus, ils apprendront des vérités consensuelles et indiscutables, on sollicitera la réflexion attentive, la pensée peut-être inquiète, l'instruction civique n'a donc rien à voir avec la propagande, vous voyez, là ça aussi le mot, l'expression civique n'y est pas, mais elle y est presque, si je puis dire. Voilà. Alors, je note, ça c'est important, que pour la première fois depuis 1882, dans ce texte, disparaît l'association instruction civique, instruction morale. La morale disparaît. Ça, c'est un texte qui dit ce que sera l'instruction civique. Et il y a des nouveaux programmes en 61 d'instruction civique, mais il n'y a plus de mention à la morale. La morale disparaît comme si elle avait désormais du mal
à trouver sa place dans un programme qui se donne pour tâche de solliciter la pensée inquiète et qui viserait à la confrontation, comme dit le texte, des solutions diverses et souvent contradictoires. C'est d'ailleurs un point sur lequel je veux attirer l'attention, à savoir la corrélation existante dans l'enseignement en France entre l'importance de plus en plus grande accordée au développement de l'esprit critique chez les élèves et corrélativement l'affaiblissement progressif du moralisme caractéristique de l'école de la Troisième République. La corrélation, le lien entre la délégitimation progressive du projet même d'une éducation morale et le souci d'un développement de la pensée et de l'expression personnelle des élèves. C'est-à-dire, tout se passe comme si la dimension par nature collective de l'éducation morale n'était pas compatible avec les présupposés individualistes d'un tel souci de formation à l'esprit critique. Autrement dit, comme si le développement de l'esprit critique impliquait une incitation à prendre des distances vis-à-vis de normes communes et relevait donc d'une logique éducative profondément contraire au caractère par définition normatif d'une éducation morale. Alors en tout cas, les années 1960, c'est bien les années où un tel basculement commence à s'observer. Hein. Et il est significatif d'ailleurs qu'après l'arrêté de 1961 et la disparition au niveau donc de la sixième, troisième de la référence à la morale, un autre texte en 1965 l'a fait disparaître du deuxième cycle, seconde terminale, et un autre encore en 1969, c'est vrai, c'est après 68, l'a fait disparaître de l'école primaire elle-même, hein, qui est pourtant le lieu républicain historique de l'instruction morale et civique en France. C'est-à-dire, ces années 60 paraissent bien être en somme celles de la rupture avec le paradigme éducatif de la Troisième République. Alors, plusieurs éléments se conjuguent pour cette transformation, mais comme je risque, pour expliquer cette transformation, comme je risque de ne pas avoir le temps de finir dans les limites imparties de cette conférence, je vais passer sur ces éléments qui se conjuguent pour expliquer ce basculement qu'on est en train d'observer alors. Je veux simplement dire que, insister un peu sur ce qu'implique cette rupture avec le paradigme éducatif de la Troisième République. Ce que ça implique, ça, alors bon, je passe ça, excusez-moi, voilà. Ce que ça implique, c'est, au fond, un certain statut pour l'esprit critique auquel on veut former, à savoir, est-ce que c'est une vertu républicaine ou est-ce que c'est une qualité démocratique? C'est-à-dire, cette promotion à l'époque, à partir des années 60 et encore plus dans les années 70, après 1968, cette promotion de la formation à l'esprit critique a alors une justification démocratique davantage qu'une justification républicaine. Dans un numéro récent de l'École des parents, janvier-février-mars 2021, dont le thème général est précisément la formation de la pensée critique, un des articles a pour titre, je cite, L'esprit critique est-il encore une valeur républicaine ? C'est une formulation qui évidemment suppose, si on dit est-ce qu'il en est encore une, c'est qu'il a été, il en a été une. Eh bien, d'un point de vue historique, j'en doute. Voilà. Il l'a certes été sur le plan philosophique des principes, hein, tels qu'ils ont été énoncés par Condorcet, Buisson, etc., etc. Mais si on considère le rapport historique réel que l'école a eu avec la formation de l'esprit critique, il me semble que celle-ci ne commence véritablement à être mise en avant, au contraire qu'à un moment d'affaiblissement de la référence républicaine, qui est aussi le moment de la montée en puissance à l'école de l'individualisme démocratique contemporain. En somme, l'esprit critique apparaît moins comme une vertu du citoyen républicain que comme une disposition intellectuelle nécessaire à l'individu des sociétés démocratiques et pluralistes qui doit apprendre à situer, comme le disait le texte de Ricoeur que je citais tout à l'heure, dans un univers problématique et dépourvu d'étoiles fixes, hein, moins comme une vertu du citoyen républicain que comme une compétence, comme on dit aujourd'hui. Et sa promotion, la promotion de la formation à l'esprit critique, est corrélée dès lors à ce que, au fond, mon collègue Éric Préra a appelé la désacralisation de l'ordre scolaire, dont le processus commence à s'amorcer au tournant des années 60-70. Alors certes, on observe
à partir du milieu des années 1980, sous l'impulsion de Chevènement, qui est alors ministre de l'Éducation nationale, une renaissance certaine du discours républicain sur l'école. Et on observe aussi la montée en puissance d'un courant qu'on peut appeler néo-républicain, et auquel des intellectuels, des historiens et des philosophes connus et prestigieux, Régis Debray, Elisabeth Badinter, Catherine Kinsler, Charles Coutel pour les philosophes, Claude Nicolet, Pierre Nora pour les historiens, auxquels tous ces intellectuels ont donné leur caution. Et le projet de Vincent Peillon, en 2012, en référence explicite à Ferdinand Buisson, c'est-à-dire le projet de réintroduire la morale laïque à l'école, projet qui a débouché sur les programmes de MC, peut être considéré comme le dernier avatar, de certaine façon, de ce courant néo-républicain. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui-ci a précisément fait de la nécessaire resacralisation de l'ordre scolaire un de ses chevaux de bataille. Il y a une désacralisation de l'ordre scolaire, c'est ce qu'analyse Pierre Préra de fait. Mais ce qu'il devrait y avoir, ça c'est ce que disent les néo-républicains, il devrait y avoir une resacralisation de l'ordre scolaire. Et dès lors, il a été conduit, ce mouvement néo-républicain a été conduit à insister davantage sur l'adhésion collective aux valeurs de la République que sur l'intérêt qu'il y avait à les examiner d'un point de vue critique. C'est-à-dire, dans le contexte actuel, présent, là j'en arrive effectivement à la parenthèse du titre, hein, perspective et aussi actuelle. Dans le contexte dramatique actuellement des attentats de 2015 et plus récemment encore de l'assassinat de Samuel Paty, ce discours néo-républicain, qui était alors largement relayé, me semble-t-il, à un niveau politique, a même eu tendance à suspecter tout point de vue critique des élèves sur ces valeurs de la République, à interpréter la critique comme le signe potentiel de la sécession culturelle ou, comme on dit aujourd'hui, du séparatisme. Autrement dit, la pensée républicaine de l'école aujourd'hui tend à réhabiliter, malgré les discours sur la nécessité de l'esprit critique, une sorte de dogmatisme moral centré sur la défense des valeurs de la République, dogmatisme avec lequel, de fait, la formation de l'esprit critique n'est pas vraiment, vraiment compatible. Alors, pour conclure, je dirais que cette situation particulière, contemporaine, actuelle en tout cas, elle tient aussi à ce que le projet de cette formation à l'esprit critique se heurte à une difficulté qui me semble redoutable, qui est très nouvelle, très inédite et véritablement redoutable. C'est celle qui est née au fond de ce que j'appellerais volontiers les dérèglements de l'esprit critique, dérèglements dont témoigne le conspirationnisme qui fleurit sur les réseaux sociaux. Et alors le problème, et je pense que c'est un vrai problème pour les formateurs d'aujourd'hui dans les INSPE, c'est comment distinguer cet esprit critique, l'esprit critique que nous espérons, auquel nous espérons former les élèves, le bon esprit critique, l'esprit critique informé, éclairé, etc. etc. Comment le distinguer du doute systématique qui lui aussi en apparence est critique, voire ultra-critique, des croyances dites complotistes. Est-ce que la valorisation du premier ne risque pas de conduire à une légitimation du second? Il y a plusieurs années, plusieurs décennies même, je commençais ma carrière, j'étais professeur de philo en terminale, et je faisais souvent travailler mes élèves sur un texte qui était extrait du livre 1 de La recherche de la vérité de Malebranche. Et dans ce texte, Malebranche, donc philosophe, comme chacun sait, du XVIIe siècle, dans ce texte, Malebranche distinguait deux formes de doute. On peut douter, écrivait-il, je cite Malebranche, par pénétration d'esprit. Mais on peut douter aussi, dit-il, je le cite encore, par emportement, par brutalité, par aveuglement et par malice. Et il y a en somme, dit Malebranche, un doute intelligent et un doute imbécile. Et je trouve que c'est une distinction profonde, capitale, et vraiment profonde, qui fait réfléchir. Mais reste à comprendre, évidemment, ce qui distingue ces deux doutes, hein, le doute intelligent et le doute imbécile. Et il reste à montrer que le doute des complotistes relève de la deuxième catégorie plutôt que de la première. C'est-à-dire comment les distinguer si le complotiste lui-même se présente comme un esprit en alerte et prétend parler au nom de la lucidité critique. Mais je conclurai ainsi ces perspectives historiques et actuelles sur la formation de l'esprit critique, en finissant
par cette évocation du temps présent, il me semble que la question de la formation à l'esprit critique, si elle veut être critique vis-à-vis de son propre projet, hein, si l'esprit critique peut avoir la formation de l'esprit critique lui-même pour objet, il me semble donc que cette question ne peut aujourd'hui éviter d'être posée, qu'on ne peut, lorsqu'on parle de formation de l'esprit critique aujourd'hui, on ne peut éviter de se confronter à ce problème. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai fini. Personne ne m'écoute. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Kahn, pour cette conférence passionnante, donc, qui a rassemblé 143 participants. Donc, les questions ont été nombreuses et j'ai essayé de le regrouper par rapport au temps qu'il nous a imparti autour de trois axes. D'abord, un premier axe autour de la définition. Quelle définition pourriez-vous apporter à l'esprit critique ? Qui est une question de Madame Sophie Mazusinski. Voilà une question à laquelle je ne m'attendais pas. Rapport peut-être aussi à l'ensemble des... faire le lien peut-être entre les différentes disciplines scolaires enseignées. Du point de vue qui a été le mien, donc dans cette perspective historique, j'ai pas tellement cherché à vouloir donner une définition. J'ai cherché simplement à essayer, d'une part, de voir historiquement quelles étaient les finalités attendues de l'école qui pouvaient aller dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit critique et quelles étaient les conditions qui pouvaient y faire obstacle. Je sais pas si y avoir une définition comme ça en soi de l'esprit critique. Donc je suis désolé de décevoir cette question, je ne sais pas y répondre. Alors peut-être on pourrait faire le lien justement avec un deuxième ensemble de questions qui fait le lien entre esprit critique, instruction civique et enseignement moral et civique. Alors une question de Madame Grassi, quel est la place et le rôle, quelle place et quel rôle donner à la morale dans un environnement laïque. Et une autre question qui me semble aller un peu dans le même sens, assiste-t-on aujourd'hui à une remoralisation de l'enseignement critique comme nécessité de la part des élèves et de leurs parents de plus en plus moralisés ? C'est-à-dire quelle efficience de l'enseignement moral et civique aujourd'hui ? C'est une question de Madame Jeanne Spierglas. Je pense, enfin, la question me semble particulièrement pertinente. J'ai essayé de le dire dans ma conférence. Il y a un lien, mais il y a un lien conflictuel, si je puis dire, entre la question de l'enseignement moral et la question de l'enseignement de l'esprit critique. Et c'est pas par hasard si à partir des années 60, au moment où on a commencé effectivement dans les textes officiels à dire qu'il fallait apprendre aux élèves à réfléchir, à avoir une pensée inquiète, à discuter sur des problèmes, etc., on a commencé à faire abstraction de la morale. C'est la morale, au fond, a toujours été associée au moralisme de la Troisième République. Et le moralisme de la Troisième République, il n'est pas très très compatible avec l'idée d'un esprit critique, quoi qu'en dise Buisson. Et c'est la raison pour laquelle le problème se repose aujourd'hui avec une tentative qui se vit elle-même et qui se dit elle-même comme une tentative restauratrice vis-à-vis de l'esprit républicain de l'école. Ça pose un problème à savoir ce qu'on accepte au fond à l'école en termes d'expression de l'esprit critique des élèves. Quand des élèves disent ou contestent par exemple ce qu'on peut dire sur les attentats de Charlie, etc., qu'est-ce qu'on en fait de ces élèves-là? On leur dit « vous n'avez pas le droit de parler ?» On leur dit « ce que vous dites là est interdit ?» On les signale comme potentiellement suspects, où on essaye de discuter avec eux pour essayer de... Vous voyez, il me semble qu'à un moment donné, l'exigence d'esprit critique se heurte à cette espèce de limite, et il y a, me semble-t-il, effectivement,
une tentative, alors qui est pas forcément, loin de là, partagée par tous les enseignants, mais qui me semble être assez fortement celle de l'administration scolaire et du monde politique en général aujourd'hui, qui est effectivement de vouloir remoraliser l'école autour de la défense des valeurs de la République, mais avec ce qu'il en coûte éventuellement pour la formation de l'esprit critique. Il faut savoir ce que l'on veut. Il faut Là, savoir où on veut l'esprit critique. Voilà. et dans le prolongement, je pourrais citer la question de Benoît Ugeli. Ne pensez-vous pas que la pensée critique est essentiellement et fondamentalement un concept normatif? Elle fait référence à la bonne, entre guillemets, à la bonne pensée. Non, je ne pense pas que ce soit fondamentalement un concept normatif. Je pense en revanche que on peut aujourd'hui, on peut être tenté d'invoquer la formation à l'esprit critique dans un sens normatif. Hein, c'est-à-dire, on peut avoir tendance à invoquer aujourd'hui l'esprit critique de façon dogmatique, ce qui est une espèce de contradiction performative, vous voyez, parce que entre critique et dogmatique, ça va pas tellement ensemble. Ça, je le pense, effectivement. Mais en lui-même, non, l'esprit critique n'a rien de normatif. Il exige au contraire, effectivement, qu'on puisse prendre distance vis-à-vis des normes, de façon à en faire elle-même un objet de réflexion. C'est exactement ce que dit Condorcet. Voilà, et ça rejoint effectivement une autre question de Madame Spirglas. Pourquoi ne pas distinguer esprit multiple et esprit critique, le premier prémunissant davantage contre le dogmatisme peut-être? Mais en fait, au problème que j'ai posé à la fin, comment distinguer finalement l'esprit critique authentique? Et ça répondrait peut-être à la question de la définition, hein, et l'esprit critique déréglé et un peu fou qui s'exprime par exemple dans des croyances complotistes, conspirationnistes. Mais au fond, moi j'ai une réponse, c'est une réponse de type philosophique qui est la suivante. C'est-à-dire que l'esprit critique s'exerce surtout vis-à-vis de ce que l'on pense soi-même. On doute, enfin c'est Alain le philosophe qui disait qu'on ne doute que de ses propres pensées. On ne doute au fond que de ce qu'on croit vrai. Très facile de douter de ce qu'on ne croit pas vrai. C'est à la portée de n'importe qui. Je ne crois pas que ce soit vrai, donc j'en doute. Hein? Mais ce qui est plus difficile, et c'est ça peut-être le propre de l'esprit critique, c'est de douter de ce qu'on croit vrai. Mais ça suppose quand même, me semble-t-il, une distanciation minimale vis-à-vis non seulement de ses croyances personnelles, mais aussi d'un certain nombre de normes collectives, ne serait-ce que pour savoir jusqu'où et à quelles conditions ces normes collectives sont acceptables. Elles le sont probablement, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui justifie leur prétention à l'être. Et je pense que la vraie formation à l'esprit critique, dans les perspectives actuelles, le vrai problème auquel ça se heurte, c'est ce genre de problème-là. Voilà. Et donc, il y aurait également un autre axe qui pourrait peut-être nous permettre, je vois que l'heure tourne, qui est plus axé sur les pratiques pédagogiques. Quelles pratiques pédagogiques privilégier pour travailler l'esprit critique avec des élèves de l'école primaire? C'est une question de Muriel Babin. Bon, je pense que plus effectivement, je ne voudrais pas en venir au plan Jean Vallon, mais fondamentalement, il me semble qu'il avait indiqué la bonne direction. Il s'agit de méthodes actives, les méthodes de l'enquête, les méthodes des discussions et des débats réglés dans les classes. Et dès que c'est possible, du travail en groupe, dès qu'il est possible de solliciter les élèves de cette façon-là, il faut le faire. Ça, c'est certain. En tout cas, il faut se garder effectivement d'un. Il faut se garder de ce que j'ai appelé l'objectivisme. Ça, tant qu'on est dans une perspective objectiviste, et on risque de l'être avec la défense des valeurs de la République, parfois telles qu'elles sont proposées à l'école, on risque pas d'être dans l'esprit critique, à mon avis. Et puis peut-être une dernière question, comment peut-on, qui élargit à la formation, comment peut-on se targuer d'enseigner l'esprit critique si on n'a pas nous-mêmes été formés à l'esprit critique? Oui, c'est une très
question. C'est voilà. certain qu'il faut Et ça être pourrait autonome. être C'est bien la comme raison pour vous. laquelle c'est une question qu'il faut travailler en formation. Ça, j'en suis d'accord. Ça, c'est évidemment. Voilà. Mais c'est ce qui est vrai de tout, hein. C'est vrai. Comment peut-on enseigner les mathématiques si on n'a pas été formé aux mathématiques? Et voilà. Comment Et peut-on être formé à enseigner c'est quelque vrai chose? qu'enseigner l'esprit critique, cela se retrouve dans toutes les disciplines enseignées à l'école, au collège, au La raison lycée. pour laquelle je ne dirais moi pas enseigner à l'esprit critique, mais former ou éduquer à l'esprit critique. Et voilà, ce n'est pas un objet d'enseignement en soi, l'esprit critique. Ce On peut qui dire aujourd'hui d'ailleurs. un cours d'esprit critique, ça n'a pas de sens. Ce qui participe d'ailleurs, ces conférences d'ailleurs permettent peut-être d'apporter quelques éléments de réponse. Hein. J'espère, je ne sais pas. J'espère, j'espère. Voilà. Bon, ben, je vois il est 15 heures, donc je vous remercie beaucoup Je vous remercie. pour cette intervention. Donc, la conférence a été enregistrée. Les questions auxquelles donc, il n'a pas été possible de répondre seront envoyées à Monsieur Kahn. Donc, chacun des participants pourra certainement trouver une réponse à ces questions. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kahn, pour cette Merci. intervention. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, ensoleillée, si possible. Au revoir. Au revoir.